Salut tout le monde, c'est Darkiller-111, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas une vidéo gaming comme je le voulais, c'est plutôt une vidéo qui va vous parler d'un sujet qui touche beaucoup de PS4. Voilà. Alors Sony a réagi tout de suite et assure que le problème est désormais résolu et qu'un message contenant seulement un mot O et deux emojis ne pourront plus porter sur la PS4. Me conseille que nous pendant là d'avoir supprimé le message sur l'application mobile, activer le mode sec. Puisque c'est une option du mode à cause de l'affichage d'un simple message contenant des heures témoignages. Des heures seules avec les paramètres. Normalement, sans devoir réutiliser. Je vous explique comment se protéger de cette vulnérabilité. Déjà, on sait qu'il y a les personnes qui envoient le message, donc là c'est Elite Solidier. Ouais, s'il te plaît, hein, tu restes. L'alerte a été lancée sur Reddit. Plusieurs utilisateurs expliquent que leur PS4 a planté après qu'ils ont reçu un message contenant un mot de deux emojis. Tu es casse. Toujours en espagnol. Suivi d'un point d'interrogation dans un carré et d'un cœur. Le bug se déclenche dès l'affichage du message et peut rendre la console tout bonnement inutilisable. Rien de nouveau. On ne connaît ce genre de faille qui touche régulièrement les smartphones. Un bug similaire faisant planter les iOS et e-messages sur iPhone au début de l'année 2018. D'après plusieurs témoignages, il faut redémarrer la PS4 en mode sans. J'ai voir dans le pire cas, réinitialiser avec les paramètres d'usine pour régler les soucis, décidément, après les problèmes de jailbreak de la PS4 Sony qui n'est pas épargné par les problèmes de sécurité. Alors ça c'est dommage. Et vous vous dites, mais quel est le but qu'on doit utiliser? Et bien il faut d'abord aller dans PS Message. Signer, enfin... Non, attends. Normalement, il faut aller dans le détail et...